Bonjour à tous les stratèges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un Rise of Kingdoms. Et donc aujourd'hui on va continuer donc dans la série talent, euh, monter les talents des héros. Et bien aujourd'hui on va s'intéresser à Sunzi. Donc Sunzi, on va regarder tout de suite un petit peu ses compétences pour pouvoir euh, avoir des informations sur comment monter Sunzi. Donc il est orienté infanterie, garnison et compétences. Et donc comme on va le voir, c'est pas un grand grand spécialiste d'infanterie, même s'il a un petit boost, mais il est surtout orienté donc sur les dégâts de compétences, Sunzi. Donc la première, voilà, c'est vraiment les dégâts de compétence, donc des dégâts à hauteur de 800 sur 5 cibles. Il inflige également des dégâts supplémentaires à hauteur de 200, et puis il restaure la rage, donc, sur toutes les cibles atteintes. La deuxième, donc, c'est le bonus de garnison. La troisième, c'est un bonus de dégâts subis qui est réduit, et puis un bonus de soins d'infanterie. Et puis le dernier, donc, des bonus de dégâts de compétence qui est énorme. Donc, comme vous le voyez ici, euh, Sunzi est vraiment orienté sur les dégâts de compétence et... L'augmentation de la rage. Donc, sachant ça, il va falloir aller donc, dans l'arbre à talent. Donc, j'ai emprunté euh, un compte pour pouvoir vous monter un petit peu Sunzi. Alors, Sunzi, plusieurs manières de le monter, bien évidemment, comme tous les héros. Donc, on peut partir sur le versant garnison, si vous voulez, Sunzi, juste pour défendre votre ville. Euh, il y a donc euh, stratagème, il y a donc euh, mur d'Adamantine, on a ensuite euh, gardien de la ville, on a fortification impénétrable, imprenable, nulle part où aller. Et puis garde du roi, faveur divine et connais ton ennemi. Donc, ça, il faut remplir en fait l'ensemble de l'arbre à talent, donc dans le versant garnison, si vous voulez vraiment juste défendre votre ville. Il y en a qui l'utilisent seulement pour euh, booster l'infanterie. Donc, si vous voulez booster l'infanterie, les premières choses à prendre, c'est lance de fer en tout premier. Allez ensuite chercher Fury éternelle, donc pour encore augmenter la rage, comme on a vu que Sunzi montait la rage. Euh, H double et puis voilà, après vous montez vous montez et pour aller surtout chercher soldat d'élite donc là c'est vraiment la spécificité donc de l'infanterie. Maintenant maintenant que les, exp les exceptions on va dire sont passées parce que Sunzi est clairement orienté sur les dégâts de compétences. Donc pour moi, il est extrêmement logique de partir sur les dégâts de compétences. Donc comme on a vu Sunzi, il augmente la rage et donc si vous pouvez encore lui augmenter la rage, ça, ça veut dire qu'il va pouvoir enchaîner ses compétences de plus en plus vite. Et donc du coup ça va être extrêmement performant. Donc sans brûlant ça va être ce qu'il va falloir aller chercher en tout premier les amis. Donc on y va, on augmente l'attaque, on augmente la défense trois fois pour débloquer la suite. Donc en tout premier moi je vous conseille d'aller chercher sans brûlant. Comme ça les attaques normales donnent 9 points de rage supplémentaires, c'est à dire que là vous allez pouvoir enchaîner les compétences très rapidement. En deuxième moi je vous conseille d'aller prendre tous pour un. Donc quand le commandant principal utilise une compétence, les dégâts de compétences actives du commandant secondaire augmentent de 2%. Donc ça c'est très intéressant aussi quand vous couplez Sunzi avec un autre commandant euh, compétence. Donc ensuite on va chercher la défense. On va chercher la santé des troupes. On va chercher encore une fois la santé des troupes. Pourquoi faire tout ça Pour aller chercher rajeunir, qui est la clé de, euh, du versant compétence pour Sunzi. Donc redonne instantanément 20 points de rage quand une compétence est utilisée. Et on voit qu'au maximum ça monte à 60 points. Ce qui est énorme. Donc vous pouvez déjà ajouter. Les 9 points de rage à chaque attaque supplémentaire. Ajouter les 60 points de rage quand une compétence est utilisée. Plus le, les points de rage que Sunsi se donne donc, grâce avec sa compétence. Donc vous voyez qu'on commence à être vraiment pas mal en termes de rage. Autre chose à aller chercher, puissance latente. Donc augmente de 2% supplémentaire les dégâts de compétence. Donc ça c'est clairement en lien avec sa troisième compétence à Sunzi. Autre chose, donc, maîtrise tactique, donc, augmente les dégâts de compétences actives de 1%. Donc, ça c'est intéressant, on va monter à 3%. Voilà, ça c'est le plus important. Ici, on peut réduire les dégâts de compétences subis, donc, ça c'est aussi intéressant. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est vers où on va aller. Vers où on va aller, on va aller vers nature sauvage, qui va encore avoir euh, un bonus donc, de points de rage supplémentaires. Donc là, c'est un pourcentage de chance. Mais quand c'est au maximum, le, le, le nombre de points de rage est assez important. Donc, là encore, on va partir là-bas. Et puis en passant par là, donc on va devoir débloquer clarté. Donc quand une compétence active est utilisée, augmente les dégâts de compétence de 2% pendant 6 secondes. Donc là encore, c'est énorme. Donc on y va les potes, on améliore donc bouclier héraldique. Voilà, on enchaîne, on augmente l'attaque, on augmente la vie. Hop, on augmente la vitesse de marche de 6%, ça ça fait plaisir. Et voilà, et ici on augmente donc les dégâts de compétence de 6% les amis pendant 6 secondes, c'est énorme. Et donc maintenant on peut... Euh, ah non, pardon, on peut pas. Il faut donc débloquer défense deux fois, attaque trois fois. Donc vous voyez qu'il faut quand même beaucoup de points d'action hein, pour monter Sunzi au maximum. Heureusement, j'ai pile assez. Voilà. Donc là, les attaques normales ont 10% de chance de donner 100 points de rage supplémentaires. C'est énorme, les amis. C'est vraiment énorme. Donc voilà comment moi je monte euh, Sunzi en termes de compétences. La seule que je ne prends pas, donc c'était vraiment pour vous montrer l'ordre hein, à laquelle il faut, il faut procéder. Le seul que je ne prends pas, c'est Rage Pur. Donc, il augmente encore les dégâts de compétences infligés, mais il augmente, il augmente aussi euh, du même pourcentage les dégâts, les dégâts de compétences subis. Donc, c'est un, euh, un petit peu moins performant parce que vous prenez aussi plus de dégâts. Donc, voilà moi comment je montrais Sunzi en premier. Et donc, ensuite, vous avez encore des, des points de talent quand vous le montez euh, vraiment au-dessus. Il euh, y a plusieurs stratégies Alors moi ce que je vous conseille Donc si vous avez déjà fait euh, comme moi ici C'est de continuer vraiment sur la rage Et vous pouvez encore débloquer de la rage ici les amis Fury éternelle Donc vous, vous débloquez le premier Vous débloquez ici les deux là Et enfin vous débloquez les trois qui vont vous donner 9 points de rage supplémentaires à chaque attaque normale Donc il va pouvoir mais vraiment enchaîner 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 ses compétences Et faire des très très gros dégâts Sachant qu'il fait en plus des dégâts de zone Donc vraiment c'est extrêmement performant avec Sunzi euh, quoi d'autre après donc euh, Furie éternelle Vous pouvez aller chercher plusieurs choses. Donc vous avez euh, Lance de fer, donc là pour euh, partir un petit peu sur l'infanterie, pour pouvoir booster un petit peu l'infanterie. Et après donc c'est à vous de voir euh, ce que vous voulez faire. Il y a encore des bons boosts pour l'infanterie ici. Hein. Donc voilà. Voilà comment je monte donc euh, Sunzi. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, hein, il y a plusieurs stratégies, mais en tout cas, en termes de compétences, pour moi, c'est comme ça qu'il faudrait le monter. Et puis, donc, après, vous avez d'autres stratégies hein, si vous voulez le monter, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste pour défendre votre ville ou bien juste donc pour booster l'infanterie. Voilà, mais dans tous les cas, ce qui est le plus logique avec Sunzi, c'est de monter le versant des compétences. Voilà, j'espère que cette vidéo eh ben, elle va vous servir et que vous allez pouvoir euh, vous servir donc, de cette vidéo pour améliorer votre Sunzi au mieux possible donc en allant vraiment sur le côté compétence dégâts de compétence un max et surtout essayer de restaurer un maximum donc la rage de Sunzi pour pouvoir vraiment enchaîner les compétences donc ça c'est vraiment le plus important et n'hésitez pas donc à, à coupler Sunzi avec un autre héros dégâts de compétences donc il y en a plusieurs hein, des héros euh, épiques comme cela moi je vous conseille Haussmann premier qui peut être vraiment intéressant vous avez Également Pélage, qui fait un très très bon mix avec euh, Sunzi. Je vous montre ça tout de suite pourquoi. Pélage, donc, sa toute première compétence. Vous voyez, restauration de rage qui peut aller jusqu'à 100, les amis. Donc, si vous voulez monter votre Sunzi, euh, eh bien, moi, je vous conseille de monter avec euh, un deuxième commandant compétence qui fait des gros dégâts de compétence et qui remonte la rage. Donc, avec Pélage, on a aussi euh, Boadice qui augmente euh, la rage. Ici, elle réduit la rage des adversaires et ici, elle l'augmente l'arrache personnelle. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies comme celle-ci. En tout cas, moi, c'est ce que je peux vous conseiller, les amis. En attendant, donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye les frérots.